Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour Maxime. Maxime, enchanté. C'est nos séries préférées. Oui, oui. 3, voilà. 4, 5, je sais pas. J'ai eu pu. Vous commencez à comprendre cette série. Étienne et moi, nous testons des véhicules atypiques. On a acheté une Ferrari la moins chère possible et on a acheté une Lamborghini la moins chère possible. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une voiture la moins chère. Il s'agit de la voiture la plus petite du monde. Je peux le dire parce que Étienne est au courant. Ça fait un an et demi qu'on a commandé ces voitures, et j'ai bien dit ces voitures au pluriel parce qu'il y en a une chacun. Oui, parce que ça tient pas deux personnes dedans. Non, et vous allez voir que une personne non plus, ça tient pas. Bien sûr, le concept de la vidéo, vous le connaissez. On va partir en road trip avec ces voitures. On va piocher un nom de commune dans un petit saladier. Il va falloir trouver ce nom de commune sans carte, sans GPS, sans aucune aide. Seulement des indices de la prod à intervalles réguliers. On a réduit un peu le périmètre. C'est à distance de 2 jours de voiture max. Voilà. De 2 jours de cette voiture, c'est-à-dire en gros 100 mètres. Donc ça va pas être moins chiant. T'y vas ? Moi j'ai jamais fait. Mais oui, je te laisse avec plaisir. Ah, attends, non. Ah, ça a pas marché ? Ça fait qu'à moitié. Ah, elles sont incroyables. Hé, hey, t'es prêt? Ah, on la soulève, on la soulève. 1, 2, 3. C'est trop marrant, c'est trop marrant. On l'a vraiment soulevé là. Ah, mesdames et messieurs, la pile P50. Voiture la plus petite du monde, conçue dans les années 60. Pour un milieu urbain, finalement, pouvoir se garer facilement. Sachant qu'il n'y a pas de marche arrière. Voici l'option qu'ils ont rajoutée. Aucune voiture fait ça. C'est une société anglaise qui refait ces voitures. Comme vous pouvez constater, elles sont entièrement neuves, elles n'ont jamais roulé. Ceux qui sont observateurs et qui ont vu que c'était immatriculé en Angleterre se disent « Mais c'est bizarre, Maxime, en Angleterre, bah il roulait à gauche, et du coup le volant, bah il est à droite. Mais là, il on ne pose pas la question, hein ?» Vraiment, il n'y a pas de gauche et de droite là-dessus, c'est ça qui est génial. Passons un petit peu de temps sur l'extérieur parce qu'il est fou. 3 vitesses, 80 km en max, le poids à vide, 60 kg. On est plus lourd que la voiture. 5 litres d'essence. Ouais, bah c'est une mobilette, quoi. Longueur, 1m30. Largeur, 99 cm. C'est vraiment plus petit que nous, surtout. Tu fais déjà 1 mètre d'épaule à épaule. Oh. C'est hilarant. Y a pas de frein à main, j'ai l'impression. Si, si, y a un frein à main. C'est toi qui sors la main et qui freine sur le sol comme ça avec le... Oh, vas-y, par pitié. Mais mec, les pédales! C'est pas des pédales, c'est des boutons! Oh là là là. Mais où sont les vitesses? Bah là. Ah, mais si, y a un frein à main! Ah! Y a des clignotants ou pas? Oui, y a des clignotants, regarde. Ah oui! Effectivement, elle est équipée de clignotants. La scène hilarante de l'extérieur, gros. Alors, mais ça, mais attends, mais je vais fermer du coup, faut que je me rende compte là. Wow. Oh, le plan GoPro! On dirait que j'ai grave la place, mais le grand angle, il est trompeur de fou. On va passer tout de suite, bien sûr, à la séquence que tout le monde attend. Étienne dans la voiture la plus petite du monde. Sachant qu'il avait du mal à rentrer dans une F4. Oh là là, oh là, 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 là. Et tout est bien parce que c'est un peu quali, tu trouves pas? Oui, oui, c'est bien fait. Oh là là. D'abord les pieds. Merde. Voilà. Franchement, c'est pas mal, hein. Attends, je peux vraiment pas reculer plus, hein. Comment ça bouge? Mais dès que... Oh les amis, cette vidéo va être légendaire, j'en suis certain. Je pense qu'il n'y a aucun ESP là-dessus. Ah, j'y connais rien, mais effectivement, je pense qu'il y a très peu d'aide. Ce qui veut dire un moteur turbo sur la roue arrière, ouais, avec un embrayage, ouais, et des vitesses. Mmh. C'est pas si simple. Non, c'est que ça va drifter, mon pote. Il n'est pas impossible que la voiture finisse sur le toit ce soir. Alors, il y a les essuie-glaces. Est-ce que je peux arrêter au milieu? Je suis nul. Mais il y a des clignotants ou pas? Je sais pas s'il y a des clignotants. C'est ça, hein. C'est vraiment bien, bien ça. Veilleuse, plein phare. Veilleuse, plein phare. Oh, mec, c'est les klaxons de fin de chantier. Ah! Ça s'allume comme une Lamborghini. Il y a un petit bouton, tu sais, genre le... Avec un clapet, là. Ah, OK. T'es prêt? OK, elle pas démarré. C'est moi qui l'ai secoué. Ça a marché. Il est démesuré. Ok, il est en. Super. Bon, ouais, je me casse, moi. Attends. Tu vas plus vite que quand elle démarre. Mais tout est drôle. Chaque mouvement, chaque truc qu'on touche, est drôle. Oui. On va pouvoir se parler, on a des casques reliés, ça part maintenant. Ça c'est drôle. D'abord, on pioche. Petit saladier de la prod. Et aujourd'hui, c'est une boîte transparente. Vous ne vous y attendiez pas à ça? Moi non plus. Je touille. Je touille. Tu dis stop. T'imagines? Ça se remouve. Ça existe ça?
Alors, tu connais, mais en fait, tu connais pas. Ça s'appelle Le Petit Paris. J'espère que c'est pas trop proche de Paris. C'est terrifiant parce que. Parce que là, mon gars, sans autoroute. Parce que jamais de la vie, on va sans autoroute avec ça. Allez, j'en pioche une autre. C'était le Petit Mars. C'est que des petits. On va à Paris, mais tout est petit. J'imagine une petite Tour Eiffel, un petit Arc de Triomphe, un petit Emmanuel Macron, quoi. Bah, une petite voiture. Petite voiture. Allons tout de suite au Petit Paris. En petite voiture. Je t'ouvre. Ok. Vas-y, vas-y, ouvre. Attends, ça... Vas-y, c'est attends, bon, je suis prêt, mais... J'ai pas dû, j'ai dû faire de la merde. Je suis prêt, hein. Ouais, je sais, mais... Elle est bloquée. Merde, sérieux? Pas grave, on va passer par l'autre porte. Ouais, mais y a pas d'autre porte. Non, mais t'es con. Je fais un créneau, laisse-moi faire un créneau. Il y avait vraiment une poignée, quoi. Regarde. Ah, ça. Ah, c'est par là que tu voulais passer. C'est ouvert, hein, ça marche, là. Oh la vache, oh la vache. Oh, j'ai calé. Mais what, ça passe? Let's go. Ça va être la meilleure vidéo automobile de ma chaîne. Ça freine pas. Oh, ça fait trop près dedans. Etienne, c'est où les essuie-glaces déjà? C'est au-dessus de toi, là. Ah oui. Etienne, c'est où la ceinture? Alors, Maxime, je crois qu'il n'y a pas de ceinture. Non. Allez, vas-y, je te suis. Ok, première accélération, on trouve le point de patinage et on y va. Ah, c'est calé. Oh putain. Non, je suis pas parti, j'arrête pas de caler. J'arrête pas de caler. Mais j'ai encore le frein à main, j'ai le frein à main depuis tout à l'heure. Oh, j'ai tout éclaté déjà. Pourquoi t'as parti récupérer? Parce que j'ai de la buée. C'est la meilleure idée du siècle. Je passe la deuxième. Ok, je suis en 3. C'est effrayant. J'ai de la buée. C'est inconduisible. Hey, y'a tes copains de la poste. Y'a tes copains, fais du coucou. Alors, mesdames et messieurs, vous constaterez qu'on n'a pas de ceinture. C'est tout simplement parce que d'un point de vue légal, c'est considéré comme un tricycle motorisé, un peu comme une moto finalement, et qui du coup ne nécessite pas de ceinture. Par contre, un casque. J'ai calé. Non, Étienne. Oh, bon, on n'est pas rendu, mec. De tristesse, on a fait 100 mètres. J'ai plus de batterie. Sa mère, putain, déjà. Ah, là, je vais te pousser. Eh, hey, on est une équipe, hein. Mais non, mais je crois que tu vas... Passe la première et ferme-la. Go. Ouais. Ok, maintenant je dois plus caler, faut que je me concentre. J'arrive. Ne cale pas. J'ai calé. Non. T'arrêtes pas de pousser surtout. Yes. Je m'arrête plus, je te préviens, je m'arrête plus. La voiture commence. Mais non, mais putain, mais c'est quoi cette caisse de merde? Non. Je viens te chercher, Étienne, je viens te chercher. Bonjour, dépannage secours. Vous avez demandé une assistance? Une fois qu'elle démarre, ça va. En fait, dès que j'arrête d'accélérer, elle cale en bas. Eh, hey, je te parle! Y'a pas de starter. Oui, pardon. Vous avez demandé une assistance? Oui, oui, je sais, oui, c'est ça. Je suis le monsieur de l'assurance, vous inquiétez pas. Oh, j'ai failli me prendre une voiture dans la gueule. On y retourne. Démarre, s'il te plaît, démarre, 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 démarre. Démarre! Allez! Ça fait beaucoup là, non? Du coup, on va aller voir un mécano pour réparer sa voiture. Cette aventure est terrible. Mais arrête de vouloir démarrer! On va voir un mécano! Elle va redémarrer! Non! Pourquoi moi? Clignotant! Et c'est parti! What? Ça bouge! Wouhou! T'es dans Pipi Petit Simulateur! Frérot, c'est la grosse! Il vient de passer la deuxième! Il met les essuie-glaces! Il y a de la buée. C'est génial. Arrête. C'est la première fois que je vais aussi vite. J'ai plus d'essuie-glace. Mais il n'y a rien qui fonctionne. On arrive chez un concessionnaire de moto qui va peut-être pouvoir nous aider. Eh, je me gare. Tu penses ça passe ou pas? Bah, je sais pas, je te vois pas. Ah oui, c'est vrai. Bah, moi, je pense ça passe. Ah bah c'est pour ça que ça marche pas. Il a cassé le con. Bah moi aussi, j'ai un problème technique. Bonjour, comment ça va? Je suis dépité. Mais pourtant, ça s'annonçait grandiose. Ah bah là, marche hein. Là, ça y va là. What the fuck. J'ai fait du verrou. Daffy Moto, merci. Alors... Merci, merci, merci.
Let's go! Ok, tour de contrôle Delta Bravo Tango 369, vous confirmez le QNF actuel. Et reçu direction de balise Vélizy pour une approche ILS sur la piste 09R over. Rain swap. Check. On y va? C'est parti! Allez, on y croit! Après tant de souffrance! Vont-ils faire plus de 500 mètres? Avec toutes ces conneries, on n'a pas mangé. Je propose qu'on aille faire un petit tour à Domac juste à côté. C'est vrai que c'est l'heure. Faut traverser, Maxime! Oh là 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 là, faut traverser cette nationale là. Y'a personne! T'es sûr? Oui! J'y vais! Je suis en 3, Maxime! Oh là, attention, virage! Et hop, le clignotant! Oh, puis là, il pleut plus, c'est un plaisir. Je vais caler! Non, non! Non! Non, Maxime! Oh non, pas toi, Maxime, pas maintenant! T'es un mignon! Alors, démarre, Houston! Let's go! Et moi, elle tourne comme une horloge! Allez! Aïe! J'ai touché, j'ai pris! Aïe! Oh, putain, moi aussi! Ça penche un peu la route, faut que je me penche à gauche! Ça tient pas du tout la route! Oh là là, c'est rond-point là, y'a tout le temps du monde! C'est bon! Les gens nous font confiance! Maximilien de tête! Non! Ah! On est au centre commercial avec ça! Oh, je passe au milieu! Oh non! Étienne, la fenêtre elle est pas du bon côté! Ben non! On va être obligé d'ouvrir la porte comme ça! Bonsoir! Pardon, attendez! Alors, frein à main! Oui, bonjour! Y'a quelqu'un? Ok, c'est pas le bon, je suis sorti pour rien! Bonsoir, monsieur Maxonat, vous avez un cours de sécurité? Non, j'ai pas mon compte. Je vais prendre un Cibio avec des frites et de l'ice tea. En ce moment, nos McFlurry sont à 2,95€. C'est pas vrai. Maxime! Quoi? Les McFlurry sont à 2,95€ en ce moment. Quelle aubaine! J'en prends un. Quel con, il a pris un McFlurry. Ça va fondre. Attendez, faut que je reparte. Bougez pas. C'est pas comme ça qu'on passe commande au McDo. On passe commande au drive de cette manière. On fait ça. Excusez-moi, madame, une seconde. Voilà. Ah oui, je comprends. Bah oui, pour la fenêtre. Et oui, c'est conçu comme ça. Le problème, c'est que tu vas jamais l'entendre, frérot. Je vais venir traduire. Bonsoir. Alors, je vais vous prendre un McWrap poulet bacon. Avec des petites sucreries, peut-être. Un donut au chocolat. Merci, madame. T'es un peu lourd. Un truc qu'on peut pas faire normalement, c'est voler la commande d'autrui en le doublant. Parce que t'as... Fais gaffe. Il va nous arriver des bricoles, Maxime! Ça marche, on arrête de faire les cons. Je teste la marche arrière! Ouais! Tout est bien! Bon, je vais laisser ma fenêtre ouverte, ça sera fait. Hein. Il est con! Tu vas te faire arracher la portière! Mais non, je vais faire attention, rien. Bonsoir! Pas très adapté, hein? Ouais, c'est standard, quoi. Hein. On pense pas aux petits véhicules. Merci infiniment. Bonjour. Merci, madame! Moi je fais des tours d'atoll, faut que je refroidisse. Attends mec, je te remets des places à ma taille. Ah bah voilà, enfin un endroit qui est adapté. Maxime. Etienne, viens te mettre là, on va déjeuner en tête à tête. J'arrive. Regarde, tu te mets là. Voilà, super table. Hop là, génial. Oh là, on est bien là. À table. Voilà Etienne, je voulais t'inviter ce soir parce que dans cette incroyable aventure qu'on vit ensemble depuis maintenant presque 4 ans, bah, on n'a pas forcément toujours l'occasion de se retrouver. C'est vrai qu'on n'a même jamais fait de tête à tête comme ça. Bah ça me fait plaisir qu'on puisse prendre le temps. Franchement, c'est cosy. C'est un concept américain, drive on eat on the parking. Mais là, je passe ma vie dedans. Pour que les gens comprennent bien cette vidéo, je refuse de sortir de cette bagnole pour faire la moindre activité. Ah ouais, donc là, on bouge pas? Ah non, fou. Moi, j'ai pris une poche à pisse. Mais où est-ce que j'ai posé ma boisson? Ah, je sais. Putain, mais c'est génial, je peux tout mettre là-haut. Oh, je peux même piocher dedans direct. Il faut pas que je bouge trop, non? Ah, attention! Ah merde! Un truc qui tombe! J'ai plus de boisson! Bah, lèche le sol. Il en reste pas un tout petit peu. Ah, je suis pas loin pourtant. Ouais, qu'est-ce qu'on fait après, Maxime, du coup? On va dans le centre-ville et on récolte des informations. Ok. Ah bah, c'est parti. On est... Ah, t'es là. Ça va? On commence presque à s'habituer. Bah écoute, là, on arrive au centre-ville. J'ai eu la prod dans mon casque connecté. On a le droit, pendant les 10 prochaines minutes, de parler à quelqu'un. Ils sont malins parce que, bah, on est la nuit dans un quartier complètement résidentiel, y a personne. Oh, c'est génial, mais complètement flippant. Bon, je prends la piste cyclable, de toute façon, c'est ma taille. Hein. C'est vrai qu'on peut se permettre. Attention à la voiture. On va les couilles. Ah, Malpa. Mais mon point de vue, c'était terrifiant. Ah, il y a un piéton à gauche, il y a un mec à gauche. Ouais, vas-y. Personne derrière, je fais demi-tour. Monsieur, j'ai besoin d'aide. Il s'en bat les couilles. On m'en occupe. Bonsoir, chef. Est-ce que ça te dit quelque chose, le petit Paris? Ça te dit rien? Oh, non. Chier. Merci sure. Quand même. Plafard veilleux. Plafard veilleuse, plafard veilleuse, plafard. Plafard veilleuse. Gauche, droite, gauche, droite.
Oh le bâtard. Il faut qu'on traverse la rivière. Bon, normalement c'est un pont piéton, mais ça passe. On se fait passer pour des vélos, c'est ça? Ouais, mais on est des vélos. Attention à droite, freine, freine, freine. Là, on prend là. C'est là qu'on prend. Je te jure. Ah. T'es prêt, Tienne? Je suis prêt, mec. On traverse ce pont. C'est parti. J'ai calé. Non. Repars. J'ai calé aussi. Non. Pas ici, pas maintenant. J'ai enlevé mon bouchon d'essence, ça passe. Tu te fous de moi? Sûr. C'est incroyable. Go, go, go. C'est trop stylé. C'est incroyable. Attention vélo. Ok, je reste à droite. Hop là. Bonjour. Tu sais, j'ai senti beaucoup de roulis, des comportements de la voiture que j'ai pas trouvé forcément très rassurants. Donc j'ai envie de tester son adhérence. Non, je sais où on est. On est au Ice Park. On va dans la patinoire. On a le stade entier pour nous, on va drifter avec ça. Mais après, on trouvera la commune. Ouais, 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 bien sûr. Mais là, là, pour l'instant, on a mieux à faire. Allez, viens, suis-moi. On vient d'arriver à la patinoire. Pour l'instant, on peut pas rentrer dedans parce qu'il y a les vrais hockeyeurs qui s'entraînent. Donc on a quelques minutes, ça tombe bien. On a le droit de demander aux gens s'ils connaissent le petit Paris. On fait le tour de l'Ice Park et on voit centre du monde. Allez! Ah, là, il y a des gens là. Bonjour! Est-ce que vous connaissez la commune, le petit Paris? Je suis quand même un peu déçu. A plus! Oh merde! J'ai calé! Excusez-nous, on cherche le petit Paris. Bah, du coup, j'espère pas parce que ça va être long. Vous connaissez pas? Est-ce que vous connaissez la commune, le petit Paris? Ça existe, oui. Tant pis, merci. Ah, il y a d'autres mondes là-bas. Bonjour madame. Je cherche une commune qui s'appelle le Petit Paris. Je sais pas. Ça marche, pas de soucis. Ça vous dit rien? Personne connaît le Petit Paris, il y a Paris dedans. Paris, c'est très connu. Donc Petit Paris, c'est au moins un peu connu. Et où Maxime? Je vois pas. Ah bah tiens. Bonjour. Bonsoir. T'as vu du monde là-bas? Oui, mais personne connaît le Petit Paris. Bon bah je vais redemander, t'as peut-être des nouvelles personnes. On fait un tour. Oh, il commence à pleuvoir. C'est qu'il n'y a pas de nouvelles personnes. Hein. Il n'y a personne ici. Oh putain, vélo. Je vais essayer de le prendre en chasse. Reviens ici. Arrête pas, arrête pas. Ça va ou quoi? Ça va, dis-moi. Est-ce que tu connaîtrais la commune du Petit Paris? Merde, j'ai calé. On va se débrouiller, merci beaucoup en tout cas. Ça va les gars? Est-ce que vous connaissez la commune qui s'appelle le Petit Paris? Non, je connais pas. Au revoir. Est-ce que tu connaîtrais par hasard la commune le Petit Paris? Non, pas du tout. Les gens sont pas choqués. C'est normal pour eux. Ah, 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 il y a quelqu'un là. Je cherche une commune qui s'appelle le Petit Paris. Je cherche. Non, tu te fous de moi. Vers Saint-Léger-des-Bois. Saint-Martin-du-Fouillou, je fais tout le temps la blague. Mais c'est incroyable là ce que tu me dis. Elle a trouvé! Elle vient de nous dire où c'est. Ah, vous savez où c'est? Ça a combien de temps d'ici? 25 minutes dans l'histoire de ce concept, c'est pas grand chose. Non. Mais sur cette vidéo. Avec ça, c'est deux avec heures ce véhicule, deux ça heures peut être long. Quel plaisir. C'est qui? Ronan. Ronan, ouais, tu connais Ronan. Ronan du Petit Paris? Ouais, tu peux faire une dédicace pour Ronan du Petit Paris. Écoute, dis-lui qu'on arrive. Merci. Merci, beaucoup. Merci, merci, merci. Ah, voilà l'entrée. On va sur la patinoire maintenant. C'est parti. Mais après, on y va, c'est promis. What the fuck? Tu te fous de ma gueule, c'est déjà là l'entrée. What the fuck? What the fuck? Attends, mais c'est le moment de... Oh, t'es trop fort, ça m'énerve. Hey, Étienne, bouge pas, j'ai une idée. Oui. On se met pas aller au centre. Ah, merde. Attends. J'ai inventé un sport. Allez, let's go, j'essaie de marquer. Oh merde. En embuscade, va-t-il le faire? Je défends, non. Ah bâtard. Il a trop... Il a trop bien défendu. On a inventé un sport. En train de regarder la vidéo là, que vous êtes en train de regarder, et on a inventé un sport. Je suggère de l'appeler le car, pour voiture en anglais, le karaoké. On reprend la vidéo. Enculé. Ah, interception. Non, oui. Ah, je suis pas venu. Viens là, petit palais breton. Let's go, let's go. Le stade est en folie. Vire à gauche en fait finalement. Il va foncer vers la victoire. Ah non. Oui. Albatros. Ah, Yeah!
Oh, what the fuck? Yeah, c'est pour célébrer la victoire! Etienne, en champ de roue, en champ de roue! C'est insane! Je peux garer ma voiture dans le but? Go! Je pense que niveau adhérence, c'est carrément concluant. On est bon, on peut continuer. Qui veut voir d'autres matchs? J'ai envie, oui, j'ai envie de remplir ce stade, d'en aligner 4 contre 4. On va y aller un moment à oui, petit oui. Paris. Attends, on va, je rigole. On est pas, wow. Hey. C'est le projet quand même de la vidéo de base. Mais quoi, là, oui. Il est 23h, on va aller se coucher. Et demain, on reprend et on retourne dans l'aventure. Oui. On se concentre. Demain, c'est focus. Demain soir, on est au petit Paris. Exact. C'était complètement cool. Allez, on y va, on va se coucher. Comment on se retrouve de bon matin? On a un road trip à terminer. Voilà au petit Paris, quoi. Allez, on passe la deuxième. On prend sous le pont. Tu passes là ou pas? Oui, tu passes. Ah. Allez, tiens, prends à gauche, là. Mais t'es sûr qu'on aille faire ici? J'arrive pas. J'arrive pas à passer le trottoir. Ah non, Maxi. Ah, c'est bon. Attends, mais qu'est-ce qu'on fout aussi moche, là? Là, regarde, ils ouvrent les portes. Mais attends, mais l'Ice Park, c'était à 200 mètres, à peine. Et là, on enchaîne déjà avec une activité. C'est quoi, c'est délire? J'ai réservé la salle 8. Oh, bonheur, on va voir quel film. 15. Oui. C'est ça, la balle, en plus. Oui, oui. C'est par là. Ah, oui, là. Ça n'a pas de sens. C'est complètement débile ce qu'on fait. Oh oui. Et marche arrière. Oh, c'est génial. Recule, encore. Top. On a le droit de faire ça. Oh, merci le cinéma. Et top. Vraiment, coupez le contact et on est bien. Oh ouais. Oh yes, let's go. C'est bien de décrocher un peu de tout ce qui est moteur, essence, huile et puis bah voilà, des activités simples. Il nettoie sa vitre en même temps. Eh bah, je vois rien, sinon je vois pas le film. 15 en français, film complet, mini-movies. 30 minutes. Je peux me permettre un... Bien sûr. Ça commence, ça commence. Ta 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 ta. Derrière moi, le site du futur QG de Flash McQueen. Oh, c'est trop bien. C'est bien cool, hein. Arrivé à Radiator Springs de tous ses visiteurs. Venus... Manque un peu de popcorn. Ah oui, des popcorn. La prod, on peut avoir des popcorn, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Il va se faire avoir. Il est vraiment en train de regarder premier degré. Si jamais vous allez en salle 8 à Angers, qui a une petite odeur d'essence. Et d'huile. Et de WD-40. Eh ben c'est nous. On dirait on fait du doublage. Oui, c'est Mon Dieu, mais c'est Flash McQueen. Qu'est-ce que vous faites dans ce parking? Vous vendez quand même pas de la drogue? Non, on en fume juste. Regarde ce qu'on vient de nous apporter. Merci. Une émission de Domingo. Oh, c'est sucré, c'est mon préféré. Oh, je pensais pas réussir. Mais mec, c'est nous. Mais putain, non, c'est nous. C'est, oui, c'est nous. C'est notre putain de voiture. Putain, mais il y a une salle de ciné derrière. Je filme le rétro pour vous. Et ça, c'est Étienne. Et ça, c'est ce qu'il y a derrière nous. Peut-être quand même qu'on y aille, non? Mais bah, peut-être qu'on roule, surtout, déjà. Je te rappelle, on a fait 50 mètres entre les deux dernières activités. Hein. On drift vite fait dans le hall du ciné entre les M&M's et les salles d'arcade. Et ensuite, on y va. Il y a ton popcorn sur le toit. Tu l'as oublié. Non, non, mais t'inquiète, c'est bon, plus tard. Attends, je prends l'escalator. Ah bah, je passe pas. Rien n'est adapté, hein. Merci, hein. Merci beaucoup. On vient, on fait un baby-foot. Hey, on a inventé un sport. Ah, encore? Bon, non, pas à chaque fois. Bon, il est pas... Celui-là il est pas dingue. Oh, j'ai calé. Merci, tout le monde. Merci de nous avoir accueillis. Bon, alors, le petit Paris. Alors, elle m'a dit Saint-Martin-du-Fouille. Du Fouillou. Direction plein ouest. Par là. Non. Oui, vraiment. D'accord, ok, par là-bas. T'as ton popcorn sur le toit? T'en vois un peu? Merci. Je disais, c'est par là. Direction le petit Paris, mon pote. Coucou Étienne, je te vois. Là, va falloir traverser un carrefour et un pont des enfers. Ah, j'ai taille. Oh là là, les voitures qui s'en servent parce que c'est des gens pressés qui vont au boulot. À tout moment, ils nous enfournent. Maxime, j'ai failli t'aller. Ah, c'est pas le moment, je te vois dans mon rétro. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Lâche pas. Les gens, la réaction des gens est drôle. Attention au virage, attention au virage. Oh. Attends, je compense avec le poids. Là, on va à droite. Ah, il a calé. Il a calé. Route barrée, on s'en fout, on y va. C'est vrai qu'on peut, nous. Ah oh, merde, on s'est passé sur trop de temps. Attends, 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 attends. Ah oh, merde, la suite, on est pété. Non, on va contourner. Merci, merci. J'ai calé. Non. La roue avant, elle a levé. Mais oui, j'ai fait un wheeling. Maxime, voilà. Non. C'est bien temps. Il est con.
t'es bien aimé. Moi aussi. Attends, il y a peut-être un tramway là, c'est chaud, non? Oh, t'inquiète, ça passe. On est sur les trucs du tram, faut pas caler. C'est rouge. Et oui, mais c'est rouge, d'accord, mais enfin, pourquoi on est sur les trucs du tram? Mais parce que c'est la route, qu'est-ce que je te dis? J'ai peur, si je cale, je suis sur les rails. J'ai calé. Non. C'est bon. Tout droit, c'est parti. Ouh, les mains en l'air. Ouh. Oh la vache. Ah, mais j'ai encore les pompiers. Ouais, ça va, ouais. On avance, on fait notre petit bonhomme de chemin. On est dans la ville, on va arriver dans la campagne bientôt. Vas-y, la cour. Oh, la vache, la mer. Il y a un tramway. J'y vais. Ah. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'adore filmer ce plan-là. Oui, on s'en lasse pas. Tous les gens, ils sont ravis de nous voir. J'ai passé la première, j'ai rétrogradé, ça a mis clignotant gauche. Ah, c'est normal, il faut mettre la clim, mettre les pleins phares veilleuses, plein phares veilleuses, un coup de klaxon et normalement ça s'enlève. Oh, je prends la bicyclette. Non. Oh, laisse les bus déporter. Mets tous les barres à droite. Attention, attention. Oh, le tram. Oh, je nous vois dans le reflet. On la course avec le tramway. Vas-y, Maxime. Je suis à fond. Maxime. Je donne tout. Oh, le bâtard. Ok, je me prends. Je vais essayer de l'arrêter. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Les petites voitures contentes. Qui sont les voitures contentes? Celles d'Étienne et de Maxime. Les voitures de bonne humeur. C'est nous les voitures de bonne humeur. Les gens s'en foutent. Rien à foutre. Dépêche-toi. Je te laisse là. Adieu, mon pote. C'était cool. J'arrive, Maxime. Étienne. J'arrive. J'ai la porte qui s'est ouverte. Je suis à droite. Ah. L'Est-Ouest, direction Saint-Lambert-la-Poterie. C'est la route vraiment que je prenais tous les jours quand j'étais petit. Là, c'est le 38, c'est le bus que je prenais tous les jours. Je vais caler. Hein. Attends. Elle n'arrive pas à monter la côte. Attends, je vais te pousser. C'est bon, je te tiens. Vas-y, pousse. Ça marche un petit peu. Attention, fossé. On l'a percuté. On s'est touché. J'ai l'impression qu'on est perdu là-bas. Disons que la route n'est pas optimale, mais c'est très joli. Ah, ah. Oh, il y avait un nid de poule. C'est génial, j'adore ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre les itinéraires habituels. Il n'y a absolument jamais d'itinéraire direct. J'ai l'impression, sans qu'on passe par une deux fois hyper dangereuse. Même les routes classiques, c'est chaud. Mais le problème, c'est que sur ces routes-là, il n'y a jamais de panneau. On cherche, on passe du Paris. Oh mec, il y a des petites piscines là. C'est complètement la taille de ton véhicule, ça. T'as calé, là? Non. Ah, d'accord. Ah, c'est moi qui ai calé. Là, on est à la commune de Saint-Georges-sur-Loire. Je pense que le petit Paris est dans la zone, mais il n'y a pas de panneau, il n'y a que dalle. Vous voulez du pop-corn? Hein, c'est bon? Bon. Oh, il y a les flics. Ah, ça, c'est pour nous, ça. C'est bon, regarde. Moi, je sens qu'il y a une petite camionnette de gendarme qui va faire... Ouais, ça a plus de demi-tour. On se casse. Prends à gauche, là. C'est bon, on va les semer. On reste là, dans les fourrés, là, derrière. Reste là. Derrière le bunker. Là, il nous voit. Il nous voit combien de temps, là? Il est pas caché. Tiens, Maxime. Ah, merde, j'ai le rage raté encore. Tiens, attends. Ah, merde, tu es nul. On n'a même pas commenté le fait qu'on est passé sur un tout petit trottoir. Oh, j'ai eu un indice de la prod dans mon casque. Enfin, pas tout à fait un indice, un défi, et si on le fait, on a un indice. Ah, ça j'aime bien ça. Alors en gros, il faut aller chercher les gâteaux préférés de Thibaut. C'est quoi les gâteaux préférés de Thibaut? C'est les barquettes là, c'est les petites barquettes au chocolat là. Ah, les petits gâteaux. À gauche, c'est à gauche. Oh la vache. Il y a un supermarché à Saint-Georges et la prod elle m'a dit si jamais vous le trouvez ce supermarché bah... On n'a pas le droit de descendre de la voiture, comment on fait? Disons que pour aujourd'hui il est intégralement en drive. Putain de merde! Gendarmerie, ah bah voilà, nickel. Regarde, je vois là-bas, Super U là-bas. Wouh! Il y a le Super U juste là, c'est nickel. Ok, c'est parti, 40 km/h. Je reviens Maxime, je me rends pas. 45, 55. Je vais crever Maxime. Tellement lentement de mon point de vue. Je me gare là, moi. Ah, nickel, je rentre à la maison, pas besoin de... J'étais comme GTA. Il est en haut. Au revoir, monsieur. Oh, la chance, t'as réalisé un rêve, mec. Ah, ouais.
Hey, toutes les activités qu'on fait, on descend jamais de la voiture. Mais attends, mais mec, ménage à nous, on laisse rentrer là. Yes. Il est hors de question que je fasse mes courses en sortant de cette voiture. On soulève les voitures. Voilà. Ok, super. C'est bon. On tente le tourniquet ? Tu te sens bien ou pas ? Attends, j'y vais ! C'est le meilleur moment de ma vie ! Oh, faut que je sois précis. Oh, faut que je sois précis. Oh, oui. Oh, faut que je sois précis. Oh, oui. Oh, Etienne, faut que je sois précis. Etienne Moustache ! P3 du GP Explorer ! Mec, c'est trop bizarre ce qu'on fait ! Wouh ! Je me chie dessus de ouf ! Oh, il a bloqué ! C'est bon, je suis passé ! Oh, c'est automatique ! Incroyable ! Allez, on y va doucement, Etienne. Il faut trouver les petites barquettes préférées à Thibaut, là. Ah bah oui, mais la dame, si elle range pas son caddie... Qu'est-ce qui se passe ? Non, là, c'est la vaisselle. Là, c'est de l'huile végétale. Etienne ! C'est à gauche, Maxime, prends à gauche. Non ! Tu fais ton demi-tour dans le rayon vinasse ? Oui, c'est une mauvaise idée. Non, mais il y a de l'eau là-bas. Tiens, j'ai fait un demi-tour au rayon haut. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Bonjour, excusez-nous. Bonjour. J'adore, Etienne ! Qu'est-ce qui se passe ? Je fais comme si c'était normal. Ah, attends. J'ai toujours des problèmes intestinaux. Ah merde ! J'ai fait tomber tout le truc de PQ ! Ah ! Mince ! Je suis tellement nul en rayon, je trouve jamais rien. Oh, des rats pour les pieds ! Ah non, c'est pour les chiens. Merde ! Mais non, mais tu t'en fous plein la route ! Attends, essaie de l'attraper ? Ouais, exactement. Vas-y. Continue, tu vas la voir. Non, je l'ai pas, j'abandonne. Oh putain, attends, j'ai pas pris assez large. Laisse-moi de la place. Attends, mais... Ma voiture, elle est dead. Bon, Maxime, la sécurité commence à s'inquiéter. Je vais juste vite finir tout ça, et après on se casse. Hein. Je crois que c'est là. Oh oui, les petits biscuits sont là. Incroyable, je suis passé. C'est les barquettes, là ? Oui, c'est ça. Prends, je suis devant les promos sur les trousses, moi. 8 euros le tapis absorbant. Mais mec, 4,90€ la serviette, c'est donné. Attends, les barquettes, il aime quoi ? Chocolat ou fraise ? Chocolat. Ah, j'ai du choco noisette, c'est pas de la marque. C'est pas grave, une fois. C'est pas grave, tu rigoles. Ok, j'ai les biscuits, Maxime. On peut sortir. Allez, Titine, c'est bon, Erdama. Ah, on se retrouve à la caisse, Maxime. Ok, c'est pas là, la caisse. Attention, mesdames. Ok, c'est bon, je repars. Vous arrivez à passer, là, monsieur, avec le caddie, c'est bon ? Super. Y'a des gosses dans des caddies qui vont plus vite que moi. Hein. Tu veux rien d'autre en prenant le premier. Hein. Y'a de la raclette là, tu veux de la raclette ? Non, j'ai le problème intestinaux en ce moment. J'ai juste à prendre un petit filet d'oignon. Optimiser le temps, hein. Moi c'est la fast life, je suis youtubeur. Là y'a trop de monde. Je mets mon clignotant, c'est là Maxime. Donc. Il est con, putain. Ah, c'est les caisses rapides. Oh, des raviolis ! Nickel ça. Tu rigoles les petits pois carottes, tu rigoles juste. Ça. On fait vraiment la queue là, en voiture dans un magasin. Ça va être à nous, Maxime. Eh, Roger that, Tango Bravo Alpha. Non. Oh la vache, t'as fait vraiment 50 cm là. J'ai plus de batterie. Bon bah, je finis à pied. Ah. Bonjour. Moi, que ça soit utilisé comme un caddie, ça compte ça ou pas ? Ça, bah, bien sûr que ça compte. Yann, utilise-moi comme caddie. Ah, je vais prendre des petits fridans. Par contre, avant de partir... Attends, il y a encore du monde. On va aller à la deuxième caisse, Yann. Hein. J'ai mon propre sac, oui. C'est ma voiture. Ah, j'ai le bras trop court, moi. Comment tu fais ? Merci. Je vais le faire avec ma GoPro. Et les barquettes pour Titi. Pas de sac. On scanne et on dépose. On scanne et on dépose. Yann ! Merci beaucoup, au revoir. Bon, bah, je vais changer ma batterie, hein. Je reviens. Imprimez votre ticket. Non. Hop là. Et bah, je crois que j'ai payé, je vais pouvoir récupérer mes articles. On va avancer un petit peu. Tiens, pousse-moi, je les récupère. Ah pardon, je croyais que c'était Thibaut. Oh merci monsieur. Le signeur a dit être ton prochain. C'est vrai, il a dit ça. Enfin, je suis pas au courant, mais... Merci beaucoup monsieur. Du coup, je vous ai tutoyé, je suis désolé. Tu t'es fait aider ? Ah bah ouais, monsieur adorable. Hop, je démarre et on est parti, attention derrière. Merci Super U. Ah bah, il y avait une porte en fait. Thibaut, c'est ça que tu voulais ? Non. Ah merde, c'est pas ça. Bon bah j'y retourne. Si, ah, il nous a fait c'est ça, il adore. Alors le petit indice. Le petit Paris est à 5 km du château de Serran. Le château de Serran, je vois très bien où c'est. C'est sur une grande nationale horrible sur laquelle on va mourir. C'est un peu l'épreuve finale, non ? C'est l'épreuve finale, clairement. Et c'est parti. Alors, attends, c'est décisif, là. Il faut qu'on check le panneau qui est là-bas, là. Angers, Nantes, Chalonne, zone artisanale, parc de l'Arche. Mais t'es trop dangereux, t'es un dangereux. J'ai calé. T'as calé en plein milieu de la nationale. Mec, j'étais en deux, c'est pour ça que j'ai calé. Allez, fonce, Maxime, y'a un camion à la Let's go. Il y a des panneaux à gauche, mais je sais pas ce que ça indique. Nantes, Angers, Savenière, parc de l'Arche, château de Serran. Yes. L'aventure continue, les amis. Ah oui. Oui, mon cochon, c'est la dernière ligne droite, on est obligé de passer par une grosse nationale. Tout le monde roule à 90. On a 47 km/h. Saint-Martin-du-Fouillou, château de Serran à droite. Bon, on sait qu'il est là. Donc là, on est à 5 km. 5 km, ok, d'accord. Puissance turbo. Ah ouais. 58, 59, 60.
faire un bouchon. C'est sympa. Attends, là, regarde le petit panneau. Oh, putain, 100% c'est là-dessus. Le petit pari, je le vois. Ah, mais c'est tout proche. Eh, c'était vraiment pas loin. On a vraiment mis 2 jours. On va le faire là dans la main, d'accord? Je peux pas l'ouvrir celle-là. Prends ton rétro. On va le faire rétro dans la main. Le petit pari. Rétro. Yes. Il faut qu'on trouve Ronan maintenant. Ronan. Ronan. Oh merde, oh, ça se termine là-dessus vraiment. C'est bon, ça là, on peut sortir là, officiellement. Oh, quelle aventure. Oh là là, c'était génial. Oh, il a tenu. Il a tenu tout le long. Putain, ils sont rassis, tu les as rassis. C'était la meilleure vidéo automobile de toute ma vie. Moi, c'était la meilleure vidéo de toute ma vie. Tout était génial. Mesdames et messieurs, on va pas faire plus long. On a acheté la voiture la plus petite du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce concept vous a plu et que vous en voulez d'autres, abonnez-vous massivement. Et puis, bah, à bientôt, c'est quelle tout. Quelle aventure. Mais oui, elles ont tenu. Au revoir. Mm-hmm.